Ouais, salut. Je veux réagir par rapport à Safarel. Non, mais Safarel, tu es devenu très très insolent, hein? Franchement. C'est-à-dire, tu as tellement les foutaises que tu respectes même plus les gens, même là, même là. Je me demande même si tu respectes même là, même des gens autour de toi. Si tu as un peu de respect, de considération autour des gens. Comment tu peux venir raconter des bêtises comme ça? C'est-à-dire que, comme Arafat ne pouvait tellement complexer, chacun vient jouer sa partition d'hypocrisie. Il y en a qui pleurent, et c'est toi qui viens raconter des annules, des bêtises. C'est-à-dire que tu es tellement gonflé. Je ne sais pas comment dire, tu es tellement gonflé. Donc tu ne sais pas comment essayer de prouver ça à tout le monde. C'est des conneries quand tu es. Toi, on doit t'accueillir. Mais les présidents, même quand ils se déplacent même quelque part là, ce n'est pas toute la ville, même tout le pays qui les accueille. Les papes, mais c'est pas toute la vie. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Bah, tu es artiste. Bah, dans ces 2 jours, tu es devenu artiste. On te connaît un peu, là, c'est fini. Bah, tu fais les photos à elle, et je sais pas quoi. Tu prends des photocopies de je sais pas de quoi, d'argent. Ouais, tu fais les photos. Tu penses que tu es trop arrivé, quoi. Donc, il faut te méfier. Hein. Tu crois que tu es trop arrivé, quoi. Tu es qui? Tu es qui? Quand tu as eu ton problème à Arafat, là, tu as osé venir demander pardon. Tu n'as même pas été fugi de t'humilier un peu pour dire, ah, c'est un grand fait venir demander pardon. Tellement tu es gonflé, tu es impoli, tu es insolent. C'est toi, maintenant tu as venu faire vidéo, après la mort de la personne, tu es joué les gens, quoi. Non mais arrêtez votre situation. Vous êtes tellement complexé, hypocrisé dans votre corps, vous êtes tellement complexé. Quand vous venez parler là même, on sent que vous êtes hypocrite de A à Z. Non mais ton comportement là, c'est un faux, c'est un faux. C'est l'attitude d'une fausse personne même là, mais que tu démontres. C'est-à-dire que toi, dans le fond là, tu n'as jamais été vrai. N'a jamais été vrai. Parce qu'une personne qui est sincère ne peut pas venir dire des bêtises comme ça. C'est quoi ça là? Attends, tu penses que tu es arrivé où même? Tu es arrivé où? Tu es arrivé où? Vous êtes tous complexés. Parce qu'Arafat n'est plus, chacun va venir raconter n'importe quoi. Non mais toi, ça va, il faut te revoir. Hein? Il faut te revoir. Parce que star là, quand on devient star là, ça ne veut pas dire qu'on est insolent. Quand on devient star là, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Si on devient star là, ça ne veut pas dire que. On peut se permettre n'importe quoi, n'importe comment, de dire de n'importe quoi. C'est que dire des trucs qui sont bêtes. Donc il faut te revoir. Attends, tu penses que tu es tout sur quelle planète? Ben voilà, quand vous devenez star, c'est fini. Vous voyez trop dur, vous avez raconté n'importe quoi. Non mais il faut arrêter pour toi là. Il faut respecter hein, Arafat. Et toi-même, il faut te respecter. Puis les gens qui sont autour de toi là, faut les respecter aussi. Ben, c'est pour toi-même demain. Quand vous chantez un peu, vous avez les petits jetons là, c'est fini. Vous voyez trop dur, vous racontez n'importe quoi aux gens. Ça veut dire quoi ça là? Faut te revoir. C'est quoi, c'est important. Faut te revoir. Parce que c'est important pour ton avenir. Faut te revoir.